Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Bonjour aux habitués, bonjour aux nouveaux. Si vous avez des questions et que vous découvrez pour la première fois notre chaîne YouTube, vous savez que nous avons un chat puisque nous sommes en direct, nous sommes mardi les 10 10h. Nous sommes en direct sur YouTube. Donc logiquement, sous votre navigateur, sous votre application YouTube, vous pouvez faire un petit coucou dans le chat. Je vois qu'il y a déjà Hyperlite, Mariam, Fefé, Bonjour à tous les trois. Bonjour aux autres. Bonjour à ceux qui vont passer en parallèle. Je fais un, petit, un tout petit nettoyage ici, juste pour vérifier un petit truc euh, aussi, parce que je sais que la session que nous allons rejoindre euh, tout à l'heure... Hop, on démarre à 12h. Et je ne sais pas si vous avez eu la bonne info. Voilà. Donc bonjour TMPX. Euh, Aujourd'hui, nous allons passer une petite heure pour parler d'un outil qui est euh, toujours très étonnant et qui est nouveau pour la plupart des, des utilisateurs, euh, qui est Adobe XD. Donc ce que j'aurais voulu savoir avec vous dès, dès maintenant, c'est euh, qui parmi vous a déjà utilisé Adobe XD Soit vous en avez jamais entendu parler, vous me répondez XD 0%, soit vous en avez entendu parler mais vous n'avez pas forcément eu l'occasion de travailler avec. Dans ce cas-là, vous mettez, je ne sais pas moi, 20-25%. Vous travaillez un petit peu, vous l'avez essayé, c'est 50% et 100%, c'est plutôt pour les gens qui ont déjà réalisé des prods avec euh, et qui en réalisent au quotidien. Voilà, comme ça, ça me permettra de, de comprendre et de cerner un petit peu mieux l'audience euh, pour être sûr de ne rien rater avec vous sur cette journée. Ok, et bonjour à ceux qui euh, se sont réveillés plus tard, TMPX, Couleur, Mariam, bonjour, merci pour cette session, bah, merci à vous de venir assister à la session. Euh, comme vous le savez, euh, sur la chaîne YouTube Adobe France, on a pas mal de, de contenus qui sont réalisés régulièrement. Hop un peu de ménage c'est quoi ce siège je me disais tiens il y a comme une espèce de grosse trace noire à côté de moi et c'était tout simplement un deuxième siège donc vous allez me voir bouger euh, donc il y a pas mal de contenu xd c'est un nouvel outil euh, enfin un nouvel outil en tout cas dans l'univers de la conception d'interactivité dans l'univers euh, de l'expérience utilisateur et on s'est dit qu'on allait pouvoir justement par rapport à ça vous fournir des outils qui sont intégrés à vos outils habituels, Creative Cloud ou autre, et euh, que vous alliez pouvoir eh bien, récupérer les contenus depuis les bibliothèques, mais aussi les contenus autour de Photoshop, d'Illustrator, etc., etc. Ça nous fait pas mal, de, pas mal de points à voir. Ce qui m'intéresse là à l'instant, eh c'est avec vous de démarrer tout simplement sur, le, sur le, la page de Creative Cloud. Hop, et je vais vous partager mon écran pour faire cela. Hop, donc bienvenue chez moi. Check. Je vais ouvrir mon Creative Cloud. Mon Creative Cloud qui me dit d'ailleurs qu'il y a des mises à jour que je n'ai pas forcément effectuées là ce matin. J'essaye d'éviter les mises à jour juste avant les sessions. Ça m'évite des surprises. Parfois, ça veut dire qu'il y a certains bugs qui ne seront pas résolus, mais au moins on peut euh, bosser. Maria me dit bonjour, merci, et 50%, et avant, elle utilisait Axure. Ouais, je pense que vous êtes quelques-uns, justement, à venir de, du monde des autres applications, ou tout simplement à avoir des flux en parallèle. Euh, ce qu'on a vu pendant un certain temps, c'est que beaucoup des utilisateurs Photoshop, Illustrator, qui allaient vers l'interactivité, se dirigeaient sur d'autres outils comme Sketch par exemple ou comme Figma comme Axure mais chacun de ces outils avait des potentialités très différentes avait des niveaux d'interface utilisateur fort différents des qui répondaient à des besoins différents euh, pour XD on a essayé justement de travailler sur la partie conception pour tout vous dire, euh, XD est utilisé par les équipes Adobe en interne. D'abord, et comme ils étaient très fiers de le dire, XD a servi à développer XD. Et puis XD sert aussi pour tous les prototypes que vous verrez autour de Photoshop, d'Illustrator, d'InDesign. Désormais, toutes les équipes l'utilisent. Et du coup, bah, l'application avance à un rythme très soutenu. Comme vous pouvez le voir donc sur cette page, je suis donc sur mon application Creative Cloud. Vous avez tous accès à l'application Creative Cloud, même ceux qui m'ont répondu 2-5%. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Bon, bah très bien. Pour ceux qui découvrent, vous allez voir, ça va être assez intéressant. Donc quand vous avez l'application Creative Cloud, vous savez que vous avez accès à toutes vos applications. Et pour ceux qui seraient un petit peu perdus, vous pouvez aussi voir désormais des catégories. Genre vous voulez faire de l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, UI et UX, eh bien, ça va se situer ici. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par la 3D et la réalité augmentée, je vais donner ma première session sur Aero la, sur la semaine prochaine, donc euh, mardi à 10h. Ça c'était une petite info, et d'ici une petite heure, je reçois Mike Stefanini qui va nous montrer comment euh, on devient illustrateur euh, et comment ne pas foirer sa carrière de graphiste, si j'ai bien compris. Donc, XD par exemple, lorsque vous cliquez dessus, eh bien, il va vous prévenir que vous pouvez créer des prototypes. Et euh, sur, cette, euh, sur cette page, eh bien, vous verrez que non seulement vous pouvez avoir l'explication de ce qu'est XD, de ce que ça fait. Des dernières nouveautés utiles et des derniers points très importants de l'application. Ici, on parle des composants, on parle d'animation automatique, on parle évidemment de la grille de répétition et surtout, pour moi, hein, primordial, l'intégration avec le Creative Cloud. Comme je vois que vous êtes quelques-uns à utiliser le Creative Cloud. Comprenez à quel point c'est important et utile pour vous. L'autre point, c'est que sur cette même page, eh bien vous retrouverez des cours. C'est-à-dire que là, on se voit pendant euh, un petit peu moins d'une heure, et pendant cette heure-là, n'aurai évidemment pas le temps de tout vous donner. Alors, vous savez évidemment, puisque vous venez depuis la page YouTube Adobe France, vous savez qu'on a déjà donné pas mal de contenu sur XD. Euh, vous passez par la page d'accueil, vous allez venir chercher un petit peu plus bas. Vous voyez qu'on a euh, les outils Creative Cloud. Par, euh, par type d'outils. Et donc on retrouve l'expérience design qui est ici. Et donc vous voyez qu'on a 26 vidéos sur lesquelles vous retrouverez eh bien à la fois des sessions de découverte. La dernière session qui a été donnée le... il y a un petit peu moins d'un mois euh, traitait justement des interactivités des interactions à base de claviers et de claviers même plus complexes. Euh, vous verrez qu'on a reçu régulièrement des artistes euh, des UX designers qui sont venus partager avec nous leurs trucs et astuces. Euh, J'ai traité régulièrement aussi d'autres sujets sur le design pour mobile, sur la taille des écrans, donc tout ce qui était responsive, sur la réalisation d'icônes, etc. Donc on a eu pas mal de sujets sur XD depuis euh, depuis quelques temps. Si vous trouvez qu'il vous manque un peu d'infos ici, eh bien euh, n'hésitez pas, c'est sur la chaîne YouTube Adobe France que ça se passe. D'ailleurs, si vous avez besoin de vous y abonner, euh, c'est aussi, il doit y avoir un bouton, une cloche, ou je ne sais plus exactement. Où ça se trouve. Euh, ce, qui, ce que vous pourrez faire par la suite sur la page Adobe XD, c'est tout simplement ouvrir l'application, mais aussi mais aussi, et ça je précise, vous verrez les informations de compatibilité sur votre machine. Si jamais une application n'est pas compatible, il vous préviendra. Vous verrez la version sur laquelle vous êtes en train de travailler. Et puis, quand vous avez des soucis, vous pouvez sans aucun problème cliquer sur la résolution des problèmes. Vous pouvez rencontrer la, le, la communauté sur ces forums. Vous pouvez trouver des tutoriels et vous pouvez évidemment contacter l'aide d'Adobe. Donc voilà, comme ça vous êtes à peu près c'est pour ça que je vous donne maintenant hein, le lien vers la page Creative Cloud, votre appli Creative Cloud qui est devenue de plus en plus complète et qui devrait vous aider pour ce genre de contenu. Donc quand on est sur la page de formation, démarrez les tutoriels, l'utilisation, ne pas hésiter à voir le forum qui doit être ici, voilà, community.adobi.com. Il y a pas mal de questions, pas mal de sujets qui sont posés. Et très régulièrement, si vous avez besoin de, de trouver des ressources d'apprentissage, par exemple, vous allez les trouver sur le côté. Euh, les nouvelles fonctions, démarrer, Let's 6D, qui est un sujet réalisé par Howard Pinsky, que, dont je vous ai déjà parlé parmi la, sur, la, sur les sessions. Mais euh, tout ceci est fort sympathique, mais on va commencer pour de vrai. On va démarrer ensemble. Donc là, c'est le fameux Let's XD. et je ne sais plus sur quelle version on y est. Non, on est sur la version XD23. Donc tout va bien. Vous devriez avoir suffisamment de contenu pour vous tenir à jour. Dernier point sur lequel je voulais euh, vous guider autour d'Adobe XD, c'est que Adobe XD a un user voice, AdobeXD.uservoice.com, enfin .uservoice.com et cette page adobexd.uservoice.com, en fait, elle va vous permettre de euh, poser des questions, de demander des fonctions spécifiques dans XD ou de faire les. De, de reporter des bugs. Si jamais vous voyez un bug qui est passé entre les mailles du filet, tout simplement parfois parce que vous n'avez pas les mêmes machines que nous euh, et que vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à passer sur ce uservoice. Lorsque vous avez des demandes de fonctions, eh bien, vous verrez que ces demandes de fonctions sont traitées et vos, les votes que qui sont proposés par les utilisateurs parce que les utilisateurs peuvent dire oui nous on a besoin de ça etc eh bien ils servent à faire les priorités dans le développement de l'application pour tous les gens qui ont entendu parler de méthode agile ou autre ça devrait vous parler voilà sur ce sur ce tout ce qu'on vient de voir ici n'est rien sans l'application que je vais donc ouvrir pour vous donc je clique sur le petit bouton ouvrir. Pendant ce temps-là, mon application Adobe XD se lance. Et une fois qu'elle est lancée, eh bien, je vais pouvoir passer sur l'écran d'accueil. J'ai vu que dans les gens qui nous suivaient, euh, on avait quelques utilisateurs qui l'utilisaient, qui le connaissaient pas du tout et qui le découvraient. L'idée d'XD, c'est de réaliser des sites internet et ou des, 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 des applications mobiles, c'est de penser le parcours utilisateur, c'est d'anticiper les besoins de l'interface utilisateur de vos applications, de vos écrans, mais aussi de tout ce qui arrive doucement, c'est-à-dire euh, notamment l'internet des objets, sur lequel on va pouvoir se dire voilà, comment est-ce que ça doit fonctionner Comment est-ce que ça peut fonctionner je vous donne quelques exemples qu'on avait, euh, qu avait réalisés auparavant, euh, par exemple ici. Euh, j'ai eu, du... eu un sujet qui m'a été, euh, été proposé, sur lequel l'idée c'était d'avoir euh, différents auteurs, et ces différents auteurs, on va zoomer un petit peu pour voir un petit peu mieux de quoi ils retournent, ces différents auteurs, le bleu, le magenta et le vert, et eh bien ils avaient chacun une biographie, une plus grande photo, une biographie qui était liée avec, et euh, l'un comme l'autre, euh, on allait essayer d'articuler de... tout ça. Et en fait XD il nous permet de faire à la fois la partie design, vous voyez que euh, sur la partie design j'ai finalement peu d'outils mais qui sont tous très efficaces, euh, des rectangles, des cercles, etc. Des outils texte évidemment. Je vais pouvoir placer des images dans XD, ça c'est important, et il va me permettre aussi de faire une partie prototype. Et la partie prototype dans XD, en fait, je vais pouvoir lui dire, ben voilà, en fait, mes, différentes, euh, mes différents plans de travail vont interagir les uns avec les autres. Par exemple si je clique sur cet élément là, sur cet élément bleu, je vais me diriger vers cette carte. Et si je clique sur la biographie, je vais me diriger vers la carte suivante. Si je vais sur l'élément rose, je vais me diriger sur le rose, le vert vers le vert. Tout a l'air assez simple, j'espère que ça vous parle. Lorsque j'appuie sur le bouton lecture, en fait j'ai la version de mon application. Je peux même, si j'en ai besoin, cliquer sur le petit record et je vais pouvoir lui dire, bah voilà, en fait, on va démarrer, on va glisser pour aller sur cette partie-là on va pouvoir ouvrir ma carte je vais, si j'ouvre la carte je peux glisser dessus je peux évidemment scroller sur les différents éléments je peux tester eh bien ici la carte verte sur la carte verte sur la carte magenta sur la carte bleue je vais pouvoir tester en fait l'interaction et je vais pouvoir du coup proposer à mon développeur et eh bien des outils des retours euh, il va pouvoir me dire ben voilà ça on sait le faire ça on en a besoin et comme j'ai cliqué sur le bouton enregistrer au début je vais pouvoir lui dire ma première euh, intégration vous mettez des titres euh, les plus cohérents possibles et ça me fait une petite vidéo que je vais pouvoir passer soit à mon développeur pour lui expliquer ce que je fais à tel moment soit à mon client pour le motiver en lui disant ben voilà tu vois ce que je viens de réaliser euh, c'est ça les interactions dont on, a, dont on va avoir besoin pour l'application, sont celles-ci. Évidemment, c'est un prototype. Il n'y a pas de code derrière. C'est ça qui va être intéressant pour vous. Le code, on le laisse à des professionnels du code, les développeurs, puisque eux vont avoir l'information nécessaire. Ils sauront se tenir à jour sur les nouveautés euh, de développement, sur les nouveautés sur les plateformes. Ils auront toutes ces problématiques que, en tant que graphiste, moi perso, j'essaye d'éviter. C'est important que les designers ou les graphistes sachent. Coder, c'est important, non pas qu'ils sachent coder réellement l'ensemble du site, mais c'est important qu'ils comprennent comment, ça, comment on peut articuler du code, qu'ils comprennent les structures de développement. Et euh, sans aller justement jusqu'à du code, comprendre l'articulation d'un plan vers un autre, et eh bien ça, c'est quelque chose qui va être important. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous raconte là Un petit oui, un petit non dans la zone de chat, que je vois si je ne vous, ne vous ai pas encore perdu. Donc, avec XD, j'ai fabriqué tout ça, j'ai fabriqué tous ces éléments. J'ai fermé ce document. Euh, sur ma page d'accueil, je vais vous montrer aussi comment j'avais travaillé sur des petits interrupteurs que j'avais trouvé assez, euh, assez amusants. Par exemple, cet interrupteur-là, en fait, je vais pouvoir m'en servir sur ma page euh, pour réaliser en fait, le passage d'une version à l'autre de mon, de mon document avec ce qu'on appelle un état. De, euh, de boutons. et ça, c'est une grosse nouveauté d'xD, c'est qu'on va pouvoir donner des états à nos éléments. Et donc quand je vais cliquer sur un objet, je vais pouvoir lorsque j'appuie par exemple, eh bien il va me dire lorsque tu appuies sur cet objet, tu vas avoir une animation vers un autre état de l'objet. Et du coup, on va pouvoir rajouter par la suite une autre, interaction et cette autre interaction vous voyez là j'ai deux, euh, deux interactions la deuxième interaction me permettra par exemple lorsqu'on lorsqu'on fait glisser le bouton d'avoir une autre interaction vers un autre élément ok ça c'était une des grosses demandes d'XD et on va construire ensemble la manière dont on peut s'en servir ok oui c'est top ouais un peu ça vous parle d'accord un petit peu seulement euh, TMPX ok on va essayer de trouver des, des, des bons points qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur les, sur les contenus. Euh, autre point, lorsque je vais sur l'onglet formation et support, lorsque je vais d'ailleurs sur la page d'Adobe XD, check. Euh, Adobe XD, où es-tu voilà. Lorsque je vais sur la page d'Adobe XD, <coughs> il y a un point qui va être extrêmement intéressant c'est qu'on va pouvoir travailler ensemble. Ça, c'est tout neuf. Ça vient d'arriver. Euh, ça nécessite évidemment de ne pas travailler dans un avion où vous êtes coupé du monde ça nécessite d'avoir un accès Internet. Mais ça va permettre, comme on le voit dans beaucoup de, de bureaux, de travailler à la fois eh bien, sur une partie. Euh, sur des, des, des parties, des ensembles de vos éléments, et ça va permettre de travailler sur le global. Qu'est-ce que je veux dire par là On a vu depuis quelques temps la notion lorsqu'on parle d'application de composants atomiques. Atomique c'est quoi Eh bien c'est tout simplement si vous décidez de créer une application pour un iPhone. Alors, je ne vais pas prendre le, les XS, ils sont beaucoup trop grands pour moi. Je vais prendre un iPhone 8, <laughs> je vais démarrer mon élément. Je pourrais me dire, bah oui, mais sur un iPhone, j'ai besoin d'un petit peu de contenu. Alors je vais regarder parce que je crois que dans mes, dans mes fichiers récents, je dois, avoir des, je dois avoir des wireframes pour pouvoir travailler dessus. Donc on va regarder ce qui est disponible. Si vous cherchez des wireframes, nous avons sur la page d'accueil d'XD, dans la partie extension, vous allez retrouver ici, alors l'application évidemment, mais vous allez retrouver aussi. Vous allez retrouver les kits d'interface voilà, qui sont ici. Et dans les kits d'interface, eh vous retrouverez euh, dans les ressources les kits d'interface pour Apple, pour Microsoft, pour Google. Donc que vous travaillez sur iOS, que vous travaillez vers Android, vers les applications Microsoft Windows. Et vous verrez qu'il y a plein de petits points à utiliser. Par exemple, vous retrouverez les, des guides qui vous permettront de réaliser rapidement ces sites-là en, en, en adaptant par exemple vos propres couleurs. Donc ici, je suis allé chercher tout simplement un guide autour des wireframes. Et quand je regarde ce guide, vous voyez qu'il y a énormément de pages. Si je zoome dessus, ça va relativement vite et ça me permet de penser à l'activité que je vais mettre sur mon site internet. Je vais pouvoir dire ben voilà, ici euh, j'ai de quoi j'ai besoin sur ce site, de quoi j'ai besoin sur cette application. Ça peut être une application, et on voit qu'on a chaque composant ici. J'ai ce qu'on appelle un pop-over, c'est-à-dire que là je vais voir un pop-over. Euh, je vais pouvoir cliquer sur un élément. Il me prévient là, j'ai juste un bouton ok. Là, j'ai deux boutons, close et settings. J'ai un bouton d'erreur. J'ai un élément transparent qui me permet de voir en dessous. J'ai un élément avec un visuel. Je vais avoir tous ces types de boutons et tous ces types de interaction et l'intérêt pour moi de les de les retrouver ici c'est que quand je vais copier cet élément et eh bien si je sais que j'en ai besoin pour faire l'équivalent d'un panier d'achat d'une application de d'une application de, de, de navigation euh, pour du, du commerce électronique et eh bien j'aurai déjà les éléments en place et je me dirais aussi bah oui tiens d'ailleurs je vois pardon sur cette, sur cette page que j'ai à la fois un bouton partager, tiens, j'y avais pas pensé, ce serait intéressant sur mon contenu de partager par exemple à des amis en disant tiens, qu'est-ce que tu penses de cet achat, de ce prix, est-ce que c'est bien ou pas Mais je vais avoir un bouton photo parce que c'est important de voir les éléments, je vais avoir un bouton plus peut-être pour avoir des informations et un bouton passer au suivant. Donc je vais pouvoir retrouver tout ça. Je vais pouvoir retrouver euh, ici une validation. Est-ce que c'est ok Oui, je valide. Je vais pouvoir retrouver euh, une fiche d'utilisateur. Et je vais avoir à chaque fois, en fait, je vais me servir des éléments de wireframe qui existent pour comprendre l'interaction, l'interactivité à l'intérieur de mon design. C'est bon pour vous tout ça Ouais Ok. Donc si tout ça est bon pour vous on va essayer de se, de se dire là-dessus qu'est-ce qui peut m'intéresser euh, sur, le, sur le fonctionnement de mon, de mon application d'abord eh bien quand je vais démarrer mon application je vais avoir en général ce qui arrive assez rapidement soit le sign up me crée un nouvel account, je me crée un account avec le nom, avec l'email, etc. Soit directement ce qui s'appelle le onboarding, c'est-à-dire découvrir mon application. Moi perso j'ai tendance à dire on est capable de donner des contenus à nos utilisateurs, on est capable de les aider en fait à faire un, à utiliser leur application le plus vite possible. Donc on va considérer que le premier point d'accès ce sera une fenêtre qui vous dira bienvenue. Et cette fenêtre bienvenue, il faut lui trouver un design. Je vais aller piocher là-dedans sur les différentes pages et je vais essayer de trouver la meilleure, en tout cas la page qui sera la plus, euh, la plus facilement dédiée à mon contenu. Donc je regarde ici, j'ai les settings. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant pour moi UI elements. Alors là, je vais retrouver d'ailleurs, tiens, c'est intéressant, tous les éléments de sélection que j'aurais pu, euh, pu mettre en avant sur ma page. On a des éléments de graphique design on a des éléments de mise en place on va essayer de se trouver juste un simple bouton de validation hop découvrir l'application tiens c'est pas mal est-ce que j'ai tout bêtement une page allez on va démarrer sur cette page là j'ai pas grand chose ma page me dit bravo en réalité ce sera pas la page de départ de mon site par contre ce qui m'intéresse c'est que je peux copier cet élément je peux aller sur mon design, je vais coller mon élément, et vous voyez que bah, du coup il est placé dans la page. Vous remarquerez d'ailleurs euh, à partir d'XD que vous êtes directement sur le, sur le plan de travail et que le plan de travail par défaut il est blanc. Donc je vais pouvoir lui dire tiens on va regarder un petit truc sur cette, euh, sur cette page, c'est comment mes éléments sont gérés. Et je me rends compte que j'ai des éléments symboles qui sont gérés. J'ai le symbole du, du petit graphique. J'ai le texte qui est ici. J'ai le, le symbole de la croix pour fermer la page. Donc, si je devais démarrer ma page, j'aurais besoin d'ailleurs de mettre tout ça en couleur. Donc, je sélectionne les éléments et je vais lui dire tiens, petit plus, rajoute-moi les couleurs qui sont utilisées. Ce sera les couleurs de base pour que je puisse travailler sur mon appli. Je vais prendre mon plan de travail, et je vais lui dire en fait l'arrière-plan de cet élément, et eh bien on va aller tout simplement sélectionner une des couleurs qui avait été mise en place et pour la retrouver plus facilement, je pourrais lui dire petit plus, tu vas te rajouter aux couleurs récentes. Ça ça me permet de gagner un petit peu de temps de travail. Je sais aussi que sur ma page d'accueil, je ne vais pas tout de suite dire tiens bravo, as gagné 50 points. On va pouvoir se dire que le symbole en question, finalement, c'est pas réellement le symbole de mon c'est pas réellement un... un camembert, ça pourrait être le logo de mon application. Donc je vais lui dire ok, on a un deuxième plan. D'abord, il ne va pas dire bravo, il va dire mon app. On va tout mettre en majuscule. Comme je n'ai pas envie de tout mettre en majuscule à la main, je vais pouvoir lui demander ici de remettre l'élément en majuscule. Et puis, je vais lui dire qu'on n'a pas besoin de cette petite croix pour l'instant. On s'en servira plus tard. Mon app, ici, je vais lui mettre une petite phrase de bienvenue. Bienvenue sur mon application. Et quand je clique sur Bienvenue sur mon application, c'est à moi de décider ce qu'elle va faire par la suite. Donc je vais reprendre la page. Quand on va cliquer n'importe où, en fait, tous les éléments vont disparaître. Et c'est ça que j'aime bien dans XD, c'est que pour faire disparaître des éléments, on va pouvoir animer ces éléments. Donc ici, mon texte, mon app, on va pouvoir le garder. Mon app, on va le mettre en petit là-haut, check. On va reprendre le rectangle qui est ici. On va aller le faire partir un petit peu en mode barre bar d'accueil. Et puis on va reprendre notre petit logo, notre petit symbole, et on va le réduire. On va le mettre en tout petit. Alors j'ai intérêt de faire très attention à ce que je fais. Hop, ou je vais le réduire ici, je vais le garder sur un coin de la page. Hop, et on va le mettre en arrière-plan. On va le mettre en arrière-plan, je vais changer la couleur du texte, on va aller chercher du blanc. Voilà. Le bienvenu, euh, est-ce que je vais le garder Non, je vais tout simplement le faire disparaître. Donc je sélectionne mon élément bienvenu et je vais lui dire ok, disparu. Et puis la, la touche, la, la flèche pour fermer a disparu aussi. Ça me dire OK, c'est pas mal ce que tu as fait mais ça nous aide pas vraiment. Je peux tout simplement lui demander maintenant de tester ce prototype et je vais lui dire OK, quand on est sur la page d'accueil, dès qu'on clique sur le logo ou dès qu'on clique sur l'élément principal, eh bien lorsqu'on va cliquer dessus, il va nous faire au, à l'appui, il va nous faire une transition et cette transition, elle va faire une animation automatique vers le deuxième plan. On le teste, petite lecture, check. Et vous voyez que mes éléments sont réactifs. Pour l'instant, je n'ai pas encore de lien entre la première page et la page suivante. Ici, donc j'ai sélectionné le petit plus dans un sens. Je peux aussi lui dire que lorsque je vais cliquer sur ce bouton-là, eh je vais créer une interactivité. L'interactivité, c'est à l'appui, et l'animation automatique, je vais tout simplement lui demander, je pourrais faire l'animation automatique vers la page d'avant, mais je vais lui demander de faire le plan précédent. Et vous remarquerez pour les gens qui avaient déjà un peu utilisé XD, je voyais tout à l'heure du 25, du 50%, euh, que jusqu'à présent on pouvait lui demander d'aller en animation automatique à un plan, d'aller retourner sur le précédent. Et il vous précise à chaque fois, le précédent va non seulement faire exactement ce qu'on vient de faire dans un sens, mais il va le faire à l'envers, et ça va vous garder la même interactivité. Et ce qui est nouveau pour vous, c'est le petit plus qui est ici. Puisque le petit plus qui est ici, en fait, il me permettrait éventuellement de rajouter un deuxième déclencheur si je veux faire une autre interactivité. Vous allez me dire, attention, j'ai un bouton, quand j'ai cliqué dessus, je lui ai demandé de faire l'interactivité, donc de cliquer. Cliquer, ça a envoyé sur la page précédente. Et ici, je peux lui demander de faire une autre interactivité. Donc, méfiez-vous de ça. Ça veut dire qu'il va falloir penser un petit peu, se dire qu'on peut faire plusieurs interactivités. Mais si je clique sur un bouton, mon bouton ne fait pas deux choses. D'accord C'est bon pour tout le monde ça Tiens, et bonjour, Célia. Bienvenue. Donc je relance la lecture. Ici, lorsque je clique, alors il faut que je démarre sur le bon plan, je clique, je reclique dessus, et vous voyez que ma transition s'effectue tranquillement. Mes éléments apparaissent, disparaissent d'un plan à l'autre. Ok pour vous Ouais je pense que c'est quelque chose d'assez simple je vais pouvoir lui demander maintenant une fois qu'on est sur cette page là on va être un peu sur la base de tout ce qui se passe sur notre application et sur notre application je pourrais même lui demander euh, de repartir en design et je pourrais lui demander de faire un enregistrement j'aimerais bien faire un sign up me, me connecter à mon compte donc pour me connecter à mon compte je vais regarder ce que j'avais là- haut j'avais hop une connexion connexion je trouve que c'est un petit peu rude comme euh, page de connexion je vais voir que un peu plus bas j'avais un petit personnage qui me tentait bien hop donc on n'hésite pas voilà là dedans je trouve que ce petit personnage en fait me plaît bien name surname etc je vais prendre cette carte là copier je retourne sur mon plan je vais dire d'accord là on a à peu près sur cette page là les éléments qui moi m'intéressent donc on va... Tout à l'heure on était sur le mode bienvenue, on va mettre euh, votre nom, on va lui, on va lui demander de s'identifier. Mais pour s'identifier il faut lui laisser le choix. il faut lui laisser le choix, par exemple, entre valider, oui, c'est moi, ou créer un nouveau compte. donc on va regarder si, par hasard, créer un nouveau compte et valider existe déjà. et j'ai pas forcément exactement ces boutons là, parce que peut-être que ça n'a pas été prévu dans mon, dans mon plan de, de travail. par contre, je vois que j'ai déjà, euh, déjà des éléments. alors, sur le sign-up, normalement, je dois avoir ça. valider ou faire un nouveau compte. Donc, sign up ou login, voilà, et bien ces deux éléments-là, je vais les récupérer. Hop, je prends mes deux éléments, copier. Je retourne sur ma page. Il me demande d'ailleurs de l'enregistrer. Hop, prototype, ask. Et je vais pouvoir lui dire, OK, on va coller nos deux éléments sur la page. Donc, par défaut, il ne me connaît pas. Donc, je suis inconnu là-dedans. Je vais pouvoir prendre mon plan de travail maintenant et je vais pouvoir le dupliquer. Comme vous marquez, vous remarquez aussi à l'intérieur d'XD, eh bien on a exactement on a toujours des repères commentés, on va pouvoir s'appuyer sur différents éléments. Vous remarquerez aussi que si j'ai besoin d'aligner des objets, je peux lui demander de placer des règles, et mes règles vont dans un premier temps être magnétisées, elles vont coller aux éléments que j'ai posés sur la, plage, la page, pardon, et du coup si je duplique un plan de travail, il va dupliquer les règles qui vont avec. Et donc je vais dupliquer mon élément, je garde les espacements, je vais pouvoir lui dire, bah, une fois que j'ai fait mon sign-up ou mon login, j'aimerais bien retrouver les éléments qui font partie du login. Donc si c'est un, si un simple, une simple validation pour un, pour un login, je vais aller chercher le nom, le mail et le mot de passe par exemple. Donc on va aller attraper ça, Hop. on prend cet élément, uniquement cet élément-là, on va sur le bon plan. On va, en, on va garder notre bouton. Pour l'instant, il peut rester tel quel. On va pouvoir attraper des éléments dedans. Le cercle, j'en ai pas forcément besoin. OK. Le nom, le prénom, etc. Je, vais, je les ai récupérés d'ailleurs. Je vais donc coller mes éléments. Je colle mes éléments. Ils sont prêts à être utilisés. Et là, vous allez me dire oui, OK, c'est pas mal. Mais pour l'instant, il y a déjà une location, il y a déjà un téléphone, etc. Est-ce qu'on va garder ça Non, on le garde pas. J'attrape, je supprime. Je vais retourner ici et je vais aller chercher des éléments qui m'intéressent ici. Donc valider, OK ou annuler. Donc OK ou annuler. Est-ce que j'ai des boutons pour ça Normalement, j'avais des boutons pour ça. Hop, popover. J'avais vu des boutons. Voilà. Hop, OK ou annuler. Je valide. Je colle mes éléments. Et si j'ai besoin sur ces éléments-là de styler particulièrement un élément, par exemple, si je prends le cercle en question, vous voyez qu'il a un fond mais qu'il n'a pas de bordure, et bien on va cliquer, on va aller piocher une couleur, piocher la couleur de la bordure dans la couleur foncée, on va même pouvoir lui mettre une bordure un petit peu plus épaisse, comme ça on pourra valider notre élément. Et je me dis ouais mais du coup là tu viens de lancer ton login, on ne sait pas exactement qui tu es, et entre les deux, bah, il va me manquer peut-être des informations. Qu'est-ce qui va manquer comme information Eh bien il va me manquer le fait que le login, la première fois que j'arrive, il est vide. Donc je décale ma page et Alt, je vais dupliquer cette page à la même hauteur, et je vais dire ok, première étape, cette partie login, en fait elle est complètement vide. Et donc je crée hop, mes éléments de la, de la sorte. Je peux lui demander maintenant de, de réaliser donc mes, ma mise en place. Ici je vois aussi que mes boutons en fait ils vont pas être exactement dans le bon sens. J'aimerais bien que mon bouton de valide soit plutôt sur le côté droit, c'est une convention qui marche plutôt pas mal, et que mon bouton d'annulation soit plutôt sur le côté gauche. Je reprends ces deux éléments, je vais échapper, copier, venir ici, reprendre les deux éléments et les coller. Ce qui se passe aussi au démarrage, eh c'est que mon bouton de départ, en fait, il n'a peut-être pas de bordure. Donc au démarrage, on va venir dans le bouton, on va lui dire que le fond est blanc, on va lui dire que la bordure est à zéro. Pas de bordure. Et comme ça, quand je démarre, je peux annuler mon... ma tâche ou la valider. Je n'ai plus qu'à repasser en mode prototype. Et en mode prototype, eh bien, je vais lui dire ok, tu veux te connecter. Login, on va sur cette page-là. Quand tu te connectes, tu vas pouvoir renseigner par exemple le nom et on va cliquer dessus on va pas forcément demander à la personne qui remplit rempli le prototype de tout signer on va passer sur cette page et par la suite eh bien notre objet ici notre petit menu puisqu'il a été copié qu'il a exactement le même nom en fait il va, euh, il va se transformer sous cette forme là et je n'aurai plus qu'à reprendre la page de connexion de mon site, la première page, et je vais lui dire bah Ok, vous êtes logué. Donc je peux supprimer le bouton, euh, le bouton sign up qui est ici. Je peux supprimer le bouton login. Je vais les attraper en mode design. Je vais lui dire Ok, plus de login, plus de sign up. On a récupéré les coordonnées de John Doe. Copier, coller. Et on récupère tout ça. Il m'a reconnu, il sait qui je suis dans le, sur, le, sur le site. Je vais pouvoir supprimer d'ailleurs le mot de passe. Si j'ai besoin, c'est ce qu'on appelle une grille de répétition. Hein. Je peux attraper des éléments et je peux les dupliquer très rapidement. Ici, j'en ai pas besoin, je vais resserrer, je vais baisser ma grille pour aligner les éléments. Je vais garder mon visuel. Hop, mon personnage est connecté. Je reteste. Le prototype. Je valide que après l'appui sur ce bouton-là, spécifiquement, on va sur le plan suivant. Et on va sur le plan suivant. Et vous remarquerez qu'à chaque fois, il conserve le déclencheur en animation automatique. Je n'ai plus qu'à tester mon proto. Je reviens dessus. Est-ce qu'on peut ajouter des commentaires pour le programmeur Tiens, ça c'est une très bonne question. J'y viens dans un instant. Hop, où es-tu Page d'accueil. Voilà. Je suis sur mon app. Donc j'aurais pu me remettre sur la, la page d'accueil, je clique sur l'app, hop, on est en mode sign-up ou login. Pour l'instant, je ne peux rien faire sauf le login. Je vois que j'ai une petite main dessus. Donc je vais mettre mon login. Hop. Ici, je ne peux rien faire que renseigner les textes. Et vous voyez que mon bouton est devenu visible. Donc je valide mon bouton et mes éléments disparaissent et sont remplacés par les bons éléments John Doe euh, Do à Gmail. Maintenant, j'ai peut-être besoin de faire un petit peu mieux que ce qu'on vient de voir ici. Je vais pouvoir lui dire l'élément ici John Doe, je vais le centrer sur la page. Okay. Je vais d'ailleurs attraper celui-ci. Pour pouvoir hop, attraper tout ce petit monde-là. Alors pour l'instant, c'est du texte seul. Je vais me remettre en design. Si je ne me mets pas en design, je n'ai pas accès à ce que je cherche. Voilà texte seul et mon full name et email ils ont ils vont pouvoir disparaître parce qu'en réalité j'en aurais pas vraiment besoin je vais j'ai retrouvé mon petit personnage ici je n'ai pas forcément besoin non plus du petit disque derrière on va le supprimer par contre j'aimais bien le petit perso qui était ici donc on va aller attraper les disques Hop. on va attraper les disques qui sont à l'arrière de mon objet et ça me permet de garder uniquement les éléments qui m'intéressent dessus. Je une fois que j'ai tout ça, je suis assez content, mais on va pouvoir rajouter des points importants dans notre design. D'abord, parmi les points qu'on va voir ensemble, vous remarquerez que j'ai une croix qui s'appelle symbole 71 et que j'ai une validation qui est cette flèche bleue. Vous remarquerez aussi que sur l'ensemble de mon design, on a choisi quelques couleurs. Je vais pouvoir sélectionner tout le design ici, rajouter les couleurs qui manquent. Et finalement, il n'en manquait pas tant que ça. Je peux les réordonner pour moi. Et ce que je peux faire aussi, c'est que je peux lui dire cette couleur-là, clic droit, la mettre en évidence sur le plan de travail. Je vais voir tous les endroits où elle est utilisée, que ce soit d'ailleurs des contours ou des fonds textes. Et je vais pouvoir lui dire, ben, clic droit dessus, on va modifier la couleur de départ. Peut-être que mon interface aura besoin d'être dans, euh, dans les tons magenta. Ok, je récupère ça. Je peux aussi lui demander ici petit plus, on va rajouter cette couleur là et cette couleur là et eh bien on va aller on, je trouve qu'elle est très proche de ma couleur de contraste, et eh bien je vais tout simplement la sélectionner, faire un clic droit dessus, je vais aller la modifier et je vais la modifier comment Je vais aller à la pipette et je vais lui dire mais va chercher voyons la même couleur que ce qu'on a dans l'interface et il valide et du coup il me supprime tous les éléments dont je n'ai plus besoin pour l'instant. OK Attention par contre à la couleur du texte ici, qui a besoin d'être dans la même couleur que le, que le contenu. Ok. Donc voilà un petit peu comment je vais pouvoir manipuler mes différents éléments sur la page. Je vais pouvoir anticiper ça. Et ce que je vais pouvoir anticiper aussi, c'est que certains boutons, par exemple mon bouton X qui est ici, en fait, ils vont avoir deux états. Donc je vais pouvoir sélectionner un élément. Ici, c'est tout un élément de bouton. Il y a un disque et la petite croix. Je vais pouvoir en faire un symbole. Je vais pouvoir faire un composant de ce symbole. Donc petit plus, c'est un bouton, un composant qui s'appelle no. Et quand je prends ce composant qui s'appelle no, juste à côté d'ailleurs, il y a un composant petit plus qui s'appelle yes, hein, vous l'aurez deviné. Quand je prends un composant qui s'appelle no, par défaut, il a un état sur lequel on ne peut pas agir. Je peux lui dire ben, cet état par défaut, ça s'appelle, euh, il reste tel quel. On va faire un nouvel état. On va peut-être faire un état de survol. L'état de survol, hop, je clique sur l'état de survol et je choisis pour mon composant eh bien, une couleur de fond. Couleur de fond, je vais mettre la couleur du bleu. Et puis je vais pouvoir lui dire d'ailleurs dans cet état de survol spécifiquement, et eh bien la couleur de fond ici va être du blanc. Je vais me la rajouter comme ça je l'aurai sous la main. Et donc le composant qui s'appelait le bouton No. Il a un état par défaut et un état de survol. Ok. Ce composant No, quand je viens ici, par défaut, c'est un simple objet. C'est plus, c'est pas encore mon, mon, mon bouton No. Donc je vais venir lui demander, pareil ici. J'avais l'état par défaut et je vais pouvoir lui dire, il a un état actif. On va, il a un état de survol. L'état de survol, on va lui mettre les mêmes caractéristiques que le bouton d'à côté, c'est-à-dire une couleur de fond et une couleur pour la croix qui sera non plus, hop, enfin pour le pour le petit V, je vais pouvoir lui demander à ce que la couleur pour la croix soit non plus du bleu mais du blanc. Ok Donc chacun de mes deux composants va avoir un état différent. Je vais les copier. Je vais évidemment en général ce que je fabrique. Ici, c'est que je fais des composants qui vont être utilisés et utilisables. Je vais pouvoir lui demander du coup de garder en main cet élément de composant. Je vais faire petit plus et ici ça va s'appeler buttons, yes, no. Et il y a une instance de ça. Donc je vais pouvoir venir ici, je vais pouvoir copier mes boutons, copier, je vais venir sur mon autre plan de travail et les coller. Et vous remarquerez un truc, c'est que là, quand j'avais juste l'objet sélectionné, j'avais un cadre bleu. Quand j'ai les deux boutons sélectionnés qui sont devenus un composant, j'ai un petit losange vert ici. Quand je vais sur celui-ci, je vais avoir un losange vert avec un point. Ça veut dire que le composant, en fait, c'est une instance de ce composant-ci. Si je décide de changer, de modifier des éléments de mon composant, eh bien, ils vont être modifiés sur toutes les pages. Ici, je peux donc prendre ce composant, l'état de survol, et je peux lui demander ici de modifier. Il va m'envoyer sur le bon composant, et on va rajouter un état qui sera l'état cliquable état cliquable, je vais venir du coup dessus, je vais lui dire ben, en fait l'état cliquable il va avoir sa bordure de 3, de 4 allez soyons fous, il va être cliquable et du coup je vais pouvoir sélectionner la petite, euh, la petite flèche voilà, on va pouvoir choisir la couleur de mon, de mon élément et ça, ça va être son état cliquable donc quand je vais démarrer mon quand je vais démarrer mon composant je vais lui dire ok, ton état par défaut c'est ça Dès que l'élément est en mode survol, donc on sait y avoir accès, je clique sur l'état de survol, je le vois. Dès que mon élément est cliquable, ici, je vais lui demander volontairement d'être en mode cliquable. Et là, je pourrais cliquer dessus. Donc, je teste mon prototype, je fais de la lecture, bienvenue. Je vais passer en mode login, je vais survoler mes éléments, mes composants sont bien survolables. Je clique, on va sur la page d'après, on vérifie qu'on a bien demandé. Voilà, on n'a plus rien demandé ici. Donc, je reprends mes boutons. Lorsque je clique sur cet élément-là, en fait, on va aller, on va aller euh, sur la page euh, à gauche qui va me demander justement de valider. Et quand je vais valider, quand je serai sur cette page-là, hop, on va pouvoir valider et passer à la page suivante. Évidemment, si je passe mon temps à couper et coller des éléments, je risque d'en oublier au passage. C'est l'intérêt justement d'anticiper ce genre de programmation. Donc, login, je valide. J'ai mon petit composant et ici j'ai bien mes composants qui fonctionnent et je vais pouvoir lui demander de cliquer sur l'élément. Ça va ça donc, question de fait, fait est-ce qu'on peut ajouter des commentaires pour un programmeur Non seulement vous pouvez le faire, mais en plus c'est assez recommandé parce que votre développeur, il va peut-être avoir des points qui, sur lesquels il voudra euh, travailler avec vous. Ici, j'ai enregistré sur le web mon document. Je l'ai appelé Prototype Ask. Je vais lui mettre une date. Euh, donc on est en 2019, on est en décembre, on est le 03. Je le renomme. J'ai donc ce prototype qui est disponible en ligne. Il est disponible en ligne, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout de suite, je peux le partager. Je peux le partager comment Ici, il va me partager tous les éléments qui sont euh, disponibles. Je vais pouvoir lui dire qu'on va faire du partage pour la conception, récupérer des commentaires sur notre design. Et si je veux récupérer des commentaires, je peux aussi en laisser moi-même. Je vais pouvoir faire un partage pour le développeur. Le développeur sera ravi de pouvoir récupérer les éléments, de savoir comment ils sont placés et de savoir comment ils interagissent les uns avec les autres. Je vais enfin pouvoir récupérer une présentation, je vais pouvoir faire une présentation de ce design-là, on va pouvoir le tester, et éventuellement un test utilisateur pour pouvoir tester sans avoir toutes les petites informations en plus, les éléments sélectionnés, etc. Enfin, je pourrais personnaliser cette expérience de design en choisissant eh bien, commentaire ou pas, les zones réactives ou pas, les contrôles de navigation lorsqu'on a un survol, est-ce que c'est prévu, est-ce que c'est présenté Et je pourrais choisir que seules les personnes invitées partagent ou alors qu'au contraire, tout le monde puisse travailler avec moi. Euh, bonjour, tiens, monsieur Olivier Krakus, si tu es là, est-ce que tu veux euh, participer avec moi Est-ce que tu es dispo pour pouvoir faire de la, navi de la modification bientôt je vais me créer un lien sur cet élément. Donc, mon fichier était déjà en ligne. Maintenant, XD va traduire les éléments, les pousser en ligne. Et je vais avoir un lien qui sera public. Ce lien public, il est ici. Je vais pouvoir, clic droit, copier le lien. Et je vais aller donc, sur mon navigateur. Et sur mon navigateur, je vais passer sur la page YouTube. Et je vais me connecter. Hop. Une fois que je me connecte, comme je vous aime bien, mais que je n'ai pas besoin que vous utilisiez mes mails, on va pouvoir faire cette connexion tranquillement. OK. Et une fois connecté, je vais pouvoir échanger avec vous. C'est ça l'intérêt. Je vais pouvoir coller des éléments dans le chat. Voilà. Donc normalement, vous avez accès au même prototype que moi. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir eh bien, si ce prototype, je peux proposer à un utilisateur avec lequel je travaille de travailler avec moi. Et là, ça veut dire qu'il faut que j'ai euh, que quelqu'un dont j'ai l'adresse email, qui est disponible et que j'ai sous la main, à qui je peux écrire pour lui demander. Eh bien, par exemple, je vais aller chercher Alexandre. S'il est là, il va peut-être valider. Je vais aller chercher Stéphane Baril, euh, avec qui je travaille régulièrement. Et je vais leur dire si vous voulez co-créer, c'est le moment. J'ai dit co-créer, hein, je n'ai pas dit procréer. Je les invite. Ils sont conviés sur mon design. Et du coup, je vais pouvoir voir tout de suite deux statuts d'invitation. Les deux personnes à qui j'ai proposé de co-créer vont être présents ici sur, ces, euh, sur, cette, euh, sur cette page. Et je vais pouvoir leur dire, ben bah voilà, en design, je sais que Stéphane et Alexandre eh bien, vont pouvoir participer. Et s'ils peuvent participer, je leur mets un écran et je vais appeler cet écran pour mes co créateurs. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils soient tout à fait... Euh tout à fait dispo pour l'instant. Et s'ils si sont dispo euh, tout à l'heure, et eh bien ils vont venir se loguer, je recevrai une petite notification ici qui me validera que les personnes à qui j'ai proposé le lien vont venir euh, vont venir participer. Et je vais retrouver du coup euh, des espaces sur lesquels ils pourront travailler, des espaces sur lesquels ils pourront prendre des éléments par exemple et glisser sur la place les, euh, les zones dont ils ont besoin et ça va leur permettre de travailler avec moi ça va leur permettre de développer le contenu avec moi ici je vais pouvoir reprendre eh bien le début de mon design copier je vais pouvoir en faire un petit symbole qui va être alors là il s'appelle pop over mais en fait ce sera ma barre de ma barre d'accueil et du coup ce sera très facile pour mes co-designers de venir poser les éléments et de les reposer exactement comme ils étaient mis en place sur les pages précédentes. Donc on peut le faire à la fois en mode copier-coller. Donc par exemple, je prends cet élément là, copier, je viens ici coller. Je reprends, hop, sélectionner, coller. Donc ils vont pouvoir travailler là-dessus. Et ça ça va être assez intéressant pour euh, justement développer ensemble. Ce qui sera euh, ce qui sera cool pour vous, c'est que du coup, quand on regarde donc dans les nouveautés d'Adobe XD, qui sont ici, kit de design, on va avoir les fonctionnalités et on va voir les, les présentations de nouveautés. On va avoir donc la co-création qu'on vient de voir. C'est vrai que là, c'est pas de chance parce que ni Stéphane ni, euh, ni Alexandre ne vont être là aujourd'hui. Enfin, il y a peu de chance. Donc, euh, vous ne pourrez pas, le, vous pourrez pas le tester en direct. On, on a vu qu'on avait des états de composants. C'est-à-dire qu'un état de composants, je peux tout à fait euh, travailler notamment sur mon téléphone portable et dire bah voilà, quand on va appuyer sur l'élément, on, on aura le composant qui changera de couleur sur le, sur le téléphone. Quand on, va, euh, quand on va cliquer sur un élément, on n'aura pas forcément la même chose que quand on va glisser sur un élément. Et du coup, c'est ce qu'on met en place sur les interactions multiples. Lorsque par exemple, je fais glisser plusieurs fils, eh bien je vais pouvoir dire soit, quand on appuie, il se passe quelque chose. Ou quand on glisse, il se passe autre chose. Ça, on va le faire. On ne l'a pas encore mis en place ensemble sur le, sur le site. Donc, je vais reprendre une autre page de travail. Et sur ma page de travail, eh bien, je vais mettre deux plans. Je vais pouvoir dire, ben, tiens, si par exemple, je décide de faire une, euh, une page avec un rectangle, check. lorsque je glisse, Lorsque je fais glisser mon rectangle à droite ou à gauche, eh bien, je vais tout simplement le faire disparaître. Je vais le faire bouger sur, le, sur la page suivante. Donc je prends, je le glisse sur la page suivante et je le fais déborder un petit peu. Je vais pouvoir lui dire que aussi, si par contre non seulement je fais bouger mais j'appuie, eh je vais tout simplement le rendre beaucoup plus grand. Ça me permettra par exemple de faire apparaître le visage de mon, de mon modèle, de mon sujet aujourd'hui. Donc je peux tout à fait prendre cet élément-là, et du coup je vais pouvoir lui dire prototype, sur cette page-là, sur cet objet-là, si je glisse en fait sur la page, donc lorsque je vais faire glisser, on va avoir une animation automatique vers la page suivante. Et je peux lui dire que au contraire, petit plus, si cette fois-ci j'appuie, je... si fois je... et eh bien quand j'appuie, on va faire apparaître en beaucoup plus grand le visage. Et du coup, quand je réappuie sur celle-ci, on va revenir alors, soit, au euh, soit directement à mon plan, soit ici au plan précédent. Et par contre, si je reprends celle-ci et que je lui dis qu'on va glisser, eh bien dans ces cas-là, on va faire le plan précédent sur l'autre page. Okay je sélectionne tout pour m'assurer que chacune de mes interactivités possibles ait bien été développée. Vous voyez que j'ai bien le bouton. Au clic, on va on va agrandir au glissement on va euh, passer sur le côté je le teste ici lecture donc je suis je vais me mettre sur la bonne page s'il te plaît voilà donc quand je clique il agrandit et ça me permet de voir, par exemple, la pochette d'un album, ça me permet de voir la photo de mon contact, et par contre, quand je glisse, eh bien, je vais avoir une animation automatique entre les deux éléments. Alors là, l'animation automatique s'est faite de manière un peu bizarre, donc je vais vérifier. Ici, j'ai un rectangle, je vais regarder dans mes calques comment s'appelle le rectangle, il s'appelle rectangle 1460... 1446, pardon. Ce rectangle-là s'appelle rectangle 1447, parce que je ne l'ai pas copié. Donc je vais l'appeler... On va lui donner un nom. Et quand on nomme les objets, ça marche beaucoup mieux. Ici, je vais l'appeler par exemple visuel. Hop, visuel, il est ici. Visuel, il va être là aussi. Sans faute d'orthographe, ça marche mieux. Et je prends celui-ci. C'était bien le 1446. Ici, on va bien reprendre visuel. OK. On peut reprendre donc mon plan de travail. Et je peux lui dire play. On va partir du plan de travail. Je clique, j'ai bien la mise à l'échelle, je glisse, j'ai bien ma... Alors pardon, comme je l'ai coupé, j'ai pas remis... Check. Mon petit plus. Petit plus. Normalement, lorsque je fais glisser, je vais revenir au plan de travail précédent. glisser plan de travail précédent ok et maintenant je fais glisser mon plan de travail non je suis toujours sur le clic visiblement Ah non, pardon. Oui, bah je découvre comme vous, je, je redécouvre en direct que je ne peux pas faire glisser et revenir au plan de travail précédent. J'avais zappé cette information. Hop, je, je clique et il revient dessus. Par contre, je trouve que l'interaction ici, elle est un peu longue. Donc je vais lui demander, lorsque je clique sur mon, sur mon élément, de le faire non pas en linéaire, je vais lui demander de faire de l'animation automatique, accélérer, décélérer dessus. Directement dessus, ça devrait aller un petit peu mieux. Hop, voilà, et ça me permet de retrouver un petit peu mes différentes interactions. Donc, voilà pour cette grosse partie sur les nouveautés autour d'XD. Euh, ce qui va être intéressant pour vous aussi, comme vous avez pu le voir, c'est que je vais pouvoir euh, réfléchir en termes de plugin parce qu'on me demande régulièrement à l'intérieur d'XD, mais comment est-ce que je fais pour faire ceci Comment est-ce que je fais pour faire cela Est-ce que XD sait faire ça si, dans les fonctions de base d'XD, de, vous ne trouvez pas les éléments dans le menu Fichier, Édition, Objet, où on a pas mal de petites fonctions, vous allez voir que, de mon côté, j'ai énormément de petits plugins qui sont dispo ici. Les plugins dispo en fait on les retrouve en bas de la page. Ici vous avez un petit, un, une petite brique de Lego. Cette petite brique, en fait, je vais voir différents plugins. D'ailleurs, il me prévient. Euh, trois mises à jour sont disponibles. Donc je vais cliquer dessus. Est-ce que tu veux mettre à jour Change Case Oui. Est-ce que tu veux mettre à jour le calendrier Oui. Est-ce que tu veux mettre à jour Autogrid Oui. Hop. J'ai mis à jour mes plugins. Je peux en parcourir des nouveaux. Si vous cherchez des catégories de plugins en particulier, par exemple sur les outils, j'ai des plugins qui vont me permettre de faire énormément de choses. Un frame maker pour créer des cadres autour de mes objets. Je vais avoir des, compl des gradients compliqués, des dégradés compliqués, comme on sait les faire à l'intérieur d'Illustrator. Je vais pouvoir placer des images depuis Adobe Stock. Tiens, je vais prendre celle-ci. J'aime bien, je l'installe. J'installe mon plugin et tout de suite il est disponible là. Je peux fermer ce panneau. Je peux lui dire en fait mon, sur mon, ma page on va mettre une image d'accueil. Je vais rechercher une image de, de ciel étoilé. Hop, je le laisse chercher. Il va aller piocher à l'intérieur d'Adobe Stock et il va me retrouver du ciel. Alors il n'a pas réussi à choper les étoiles. Hop, on va mettre étoile sans accent. On va voir s'il réussit mieux avec les accents que sans les accents. Et j'ai besoin que en plus ce soit ciel étoilé bleu. Ah tiens celui-là est pas mal, plus clair. Si je demande un ciel étoilé plus clair, ça va pas passer. Ciel, nuage, soleil. Hop. Trouve-moi ciel, nuage et soleil. On devrait avoir les deux. Ouais, on commence à avoir un peu plus d'envie de vacances. Ça va commencer à être sympa. Tiens, j'aime beaucoup celle-ci. Donc je vais pouvoir attraper cet élément. Je vais pouvoir lui demander plusieurs choses. Je vais pouvoir le sélectionner. L'enregistrer dans mon document, je vais le mettre en qualité médium, je le sauvegarde, il fait partie de mon document maintenant. Je peux éventuellement voir mon image en plus grand, en choisissant d'agrandir la case en question. Et normalement, si je, retrouve, si je retourne dans mes symboles, je devrais pouvoir retrouver ce visuel. Où es-tu, petit visuel Stock image. Alors je ne sais pas par contre à quel endroit il va me les poser. Tac. Ici, j'ai téléchargé une image, je vais pouvoir lui demander donc, de la... soit de la sortir de la bibliothèque, soit ici de valider. Donc il faut que je sélectionne un rectangle, je vais sélectionner un plan de travail, je valide, il ne veut pas de hardboard, il faut que je sélectionne bien l'hardboard. Hop Appliquer une image. Coquille quelle taille pour l'image on va l'appliquer ici hop appliquer directement mon image sur le plan de travail il m'a sélectionné une taille qui m'intéresse ok on va pouvoir choisir des nuances sur ce ciel on va pouvoir sortir et agrandir la taille du bloc voilà. double clic je rentre je place c'est assez mignon sauf le côté industriel devant. Et si j'aime bien ce rectangle, eh bien je vérifie dans mes calques où il est placé. Il s'appelle rectangle 1446. Échappe. Je le sélectionne et je vais pouvoir le copier. Alors on va faire attention, on va attraper que le rectangle, voilà. Check. Comme ça. Comme ça il sera exactement la bonne taille. Copier. Je vais sur ce plan là. Voir je peux même lui demander de prendre une, deux plans de travail. Je peux attraper plusieurs plans de travail et coller sur plusieurs plans de travail à la fois. Et comme ça, ça me permet d'anticiper les modifications. Ici, on va le mettre en arrière-plan et on aura un, une image qui a été intégrée avec un plugin. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter ici. Euh, le mode partagé donc on a vu comment pouvoir travailler avec et on va pouvoir utiliser donc à l'intérieur d'XD les euh, bibliothèques, Creative Cloud ça vous l'avez vu et je peux utiliser donc les éléments de XD, je vais pouvoir chercher menu fichier mes bibliothèques cc et je vais pouvoir lui dire ah, tiens ce plan, cet élément d'image qui m'intéresse et eh bien dans une euh, bibliothèque sur laquelle j'aurais déjà travaillé sur XD, normalement je dois en avoir une Ask XD, hop, voilà. je peux lui demander petit plus de rajouter l'élément graphique. Et donc mon élément sera disponible ici et il pourra être réintégré à l'intérieur de mes bibliothèques par la suite. Je peux récupérer tout mon petit menu qui est ici, petit plus, on va récupérer tout le composant et le composant popover, il sera disponible de l'autre côté. Pareil sur les éléments avec des boutons qui étaient synchronisés, je peux attraper mes boutons, <laughs> petit plus récupérer le composant et comme ça ce composant bouton et eh bien il pourra être réutilisé sur mon design évidemment mais il pourrait être euh, ici je vais me créer un nouveau document nouveau document allez, pour iPad pourquoi pas je vais rechercher mes bibliothèques cc et je vais lui dire bah, voilà utilise les boutons place les boutons tels quels. Et quand il place les boutons tels quels, ce que je vois, c'est que chaque élément de mon bouton a un composant d'état par défaut, il peut avoir un composant de survol, etc. Les éléments qui ont été placés vont pouvoir être réutilisés à l'intérieur d'XD. Voilà les points que je voulais voir avec vous pour aujourd'hui, pour cette session. Pour le reste, eh bien, euh, n'hésitez pas à retrouver les précédentes sessions qu'on a données sur la chaîne YouTube Adobe France. N'hésitez pas à vous renseigner sur la page adobe.com, euh, sur les différents produits, notamment sur XD, pour pouvoir visualiser justement tout ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a changé. Un petit peu, qu'est-ce qui a changé énormément Comme vous le savez, on a beaucoup beaucoup de contenu sur l'ensemble des pages et donc ça va vous permettre de tester tout ça, ça va vous permettre de, de faire des designs, des prototypes qui seront encore plus efficaces et, euh, et euh, d'avoir vos sites web, d'avoir vos applications que vous pourrez mettre en place à l'aide d'un développeur bien entendu. Merci et à très bientôt